Eh hey, mon chouchou, Oui. on est vendredi 20 janvier Ouais, 2023. et il se passe quoi là? Bah, j'ai pété ma fermeture éclair. Donc, évidemment, les fixeurs, je l'ai pété en bas et puis je l'ai pété en haut. Donc, on a mis un sac plastique dessus, j'ai scotché. Et puis, voilà quoi. C'est comme les grands sportifs. Les grands sportifs, quand ils arrivent au JO ou une Coupe du Monde, ils ont toujours des blessures sur eux parce qu'à force d'entraînement, ils ont des blessures, comme les judokas, les rugbyman. Ben voilà, ça c'est la blessure du sidecariste avant Tuk Tuk, Yutuk. Parce que là, tu pars à Tuk. Ouais, je pars à 770 km au-dessus du cercle polaire arctique où, d'après les locaux, personne n'a fait ça en une traite, parce que normalement, il y a une ville tampon au milieu qui est Eagle Eagle Plains. Plain. Et moi, je vais le faire en une traite parce que je suis pas un Canadien. Hop, Suisse. Les Canadiens font ça l'été, moi je fais ça en hiver. Et puis, non, mais que du plaisir, je vous rassure. Hein. Je me force pas, il n'y a aucune difficulté pour moi. Et je vais envoyer du lourd. La seule difficulté, ben, c'est s'il y a une tempête de neige, s'il y a du gros vent, s'il y a un ours, tout ça. Mais rouler 700 bornes, il n'y a aucune difficulté. Bon. Voilà. Et puis bah là j'ai très chaud parce que on est dans la chambre de l'auberge. J'ai très chaud, j'ai du sac plastique, ça fait du bruit donc pour voir les animaux sauvages ça va pas être évident. Mais voilà, on the road again, je suis l'aigle de la route, du Yukon, le corbeau de la route, le corbeau. Salut les guns, il est 7 h du matin à Donson City, ville de l'or, et tous les chercheurs d'or y dorment. Seuls les riders de l'extrême sont réveillés. Ils partent vers le nord, là-bas. Donc, je vous résume. J'ai 20 litres en plus d'essence là. C'est le sac à mag. J'ai 5 litres ou 10 litres, je sais plus, ici en plus. J'ai vidé mon bordel. Je suis plus léger, j'ai enlevé ma roue et je vais partir pour 770 km, 770 pour les Schweizerdeutsch, Hop Schweiz. Et je vous embrasse tous. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Allez, ce coup-ci, il est prêt. Je ne sens plus, c'est une usine à gaz. Voilà. Donc là, il y en a de partout. Attends. Mais quand. Hein? Spaghetti wire. Bon, mon chouchou. Voilà. Fais un bisou à un ours. Alors, je suis conscient que j'ai la chance et l'opportunité de faire une route mythique. Je vous assure que j'ai aucune pression. J'ai envie de m'amuser à mort. Je vais rouler. Je vais rider, comme disent les Canadiens. Je vais rider cette route. Comme il se doit, cette route mythique, comme il se doit, avec honneur et respect. Mais je vais la rouler en hiver, parce que les Canadiens la roulent en été. Bisous à tous. Ciao. Allez, go. Go, go, go. Allez, go, go, yeah. C'est mieux. Ça glisse. Bisous, ma chérie. Bisous le monde, bisous la Suisse, et puis ciao, bisous, bisous. Ah ben bien sûr, hein, faut qu'ils partent. Salut les guns! Donc, je viens de partir de Dodson City à 6 h 40, j'ai quitté la ville.
Et là, je me trouve à la station-service qui se trouve à la jonction où commence la Dempster Highway. Hier, j'ai fait le plein à Dawson City. Là, j'ai fait à peu près 40 km et je viens de remplir 4 litres. 4 litres pour ces 40 km. Donc, j'ai dû un peu mettre fort sur la poignée. Je ne vais pas vous dire combien, mais bon. Et là, maintenant, c'est à ras-le-bord. Voilà. Et il me reste 734 km. Elle est pour moi, celle-là. Voilà les guns, kilomètre zéro de la Dempster Highway. Prochaine grosse halte à 770 km. On y va! Les gars, je viens d'attaquer la Dempster Highway et j'ai une aurore boréale devant. J'espère que vous allez pouvoir la voir en caméra. Regarde. Attends, je me gare. Voilà. Oh putain, elle est en face. Je sais pas si tu la vois. Je vais essayer de la prendre. Attends. J'éteins. Est-ce que tu la vois? Je vais essayer avec le téléphone. Ah là là. C'est une route qui est paumée au nord de nulle part et il y a des mecs qui s'occupent de la route. Ça doit rapporter du pognon là-haut. Allez! Alors là, j'attaque une route, elle est vierge. Personne n'est passé dessus depuis plusieurs heures puisqu'il y a une fine pellicule de neige dessus. Ça me fait réduire la vitesse à 65-70 km/h, regarde.
commence à voir des montagnes qui se dessinent. La nuit se lève petit à petit et je vois les ombres, les cimes. Ah, je kiffe énormément. Allez, je continue, ciao. Panorama. Voilà. Où il y a les phares, c'est le nord. Et là-bas, où il y a le soleil, il y a l'est. Je dois être sur une plaine parce que le vent s'est levé, je le sens, mais il n'est pas gênant. Il ne fait pas super froid, tout va bien. Il y a une fine pellicule de neige sur la route. Je dois être le premier à l'ouvrir depuis quelques heures. Pas de trace de camion. Voilà, ça roule. Il me reste 650 km. À plus. Alors là, je traverse un plateau. La route est fissurée en travers. Regarde copain, ça fait 2h30 que je roule sur la Damster Highway. J'ai fait 170 km/h, 170 km à 80-90 km/h max. Et là, le jour commence gentiment à se lever et c'est wonderful. Regarde, je te montre. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a sur ma gauche. Là, devant moi, c'est le nord.
Donc direction Ivanouk. Et là-bas, le soleil va faire son apparition dans un petit moment. Oh là 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 là. Eh, hey, c'est pas beau ça, hein, en sidecar. Allez, hop Suisse. J'ai mon témoin d'essence qui vient de s'allumer. Donc comme la station est encore à moins de 200 bornes, je vais remettre du gaz. Donc je vais prendre mon jerrycan qui est là, avec mon bec. Bon ben voilà, je suis en rade de starter. Non, c'est même pas le starter, c'est... Ça m'est arrivé hier avec Mag. En roulant, tout d'un coup, il y a tout qui se coupe au niveau de l'électricité.
Mais j'ai toujours de la batterie puisque les gants qui sont branchés directement sur la batterie sont toujours allumés quand ça se passe. Et là, je me suis arrêté pour faire le plein d'essence sur la Dempster Highway. Et en voulant rallumer, ben, il n'y a rien qui se passe, quoi. Voilà. La clé, il n'y a rien. Oh, position parking, ça allume le feu. J'éteins en position normale pour démarrer, il n'y a rien. Position parking, ça marche. Je sais pas. J'ai vérifié les fusibles. Tous les fusibles, c'est bon. Mais hier, ça m'est arrivé. J'ai redémarré en donnant 2-3 coups de clé. Et là, rien du tout. Ça fait plus d'une demi-heure maintenant. Oh, heureusement que le paysage est magnifique. Regarde. Regarde, je suis pas loin du cercle polaire arctique. Oh là 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 là, regarde comme c'est beau. Route gelée. Entièrement gelée. Ouais, je suis en train d'emmerder la Dempster. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et là, il y a un camion qui s'arrête pour me donner un coup de main suite à ma panne. Et il y en a un deuxième qui arrive derrière. Donc il se gare, lui. Il se gare pour laisser passer le deuxième. Qui arrive. Aïe aïe aïe. Panne électrique. Je sais pas ce que c'est, on verra. Bon, on a trouvé le problème. C'est ici que ça déconne, ça doit être corrodé. Et c'est grâce à lui qu'on a trouvé. Yeah, merci. Merci. Donc, c'est un problème de contact de fil. Allez, on repart. J'ai la flemme, je le mettrai au chaud. Et Pavel, la vie. Allez, ils m'ont sauvé, les gars, là. Nickel. Ah, je suis content là, j'ai dû perdre une heure, j'ai cru que j'allais dormir ici ce soir. Donc je repars sans le phare, parce que si mon problème persiste, eh ben je peux tout de suite bidouiller ici. Et je vais attendre de faire ça au chaud, parce que si je fais ça maintenant, ça risque de péter avec le froid. Je sais pas, il doit faire... Ça pète un peu, il n'y a pas de vent heureusement. Allez, on repart. Oh, j'adore les battes, parce que quand on a trouvé, oh, c'est comme si on avait fêté son anniversaire.
vraiment l'impression d'être sur le toit du monde. Je pense que je suis à 50-60 km d'Eagle. Il y aura la station service. Et là, je suis tout en haut de ces montagnes. C'est magnifique! Regarde! Regarde! Oh là 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 là! Bon! À cause de ma petite panne électrique, là, j'ai perdu 1h30, presque 2h. Je vais dormir à Eagle. Je voulais monter à Inuvik en une traite. Mais non, on va dormir à Eagle. Allez! Tout à l'heure! Voilà, je suis à 10-15 km d'Eagle Plaine, où je vais m'arrêter et je roule dans les nuages, sur du blanc au paradis, je sais pas comment nommer ça. Regarde. La neige craque quand tu roules. Ouais, allez, on va passer la nuit là-bas. Voilà, bien arrivé à Eagle Plains. Et je peux vous dire qu'il a fait très froid. Ici, il fait que moins 9, mais je suis redescendu un peu de la montagne. Il y avait un altiplano. Et là, ça le fait quand même. Hein. Attends, je vous montre mieux. Voilà. Eagle Plain. Avec son motel. Son restaurant. Hôtel Office Restaurant. Cocktail. Voilà, on a franchi le 66e. Ça, c'est cool. On est à 605 mètres. Voilà. Demain, on continue sur Inuvik. C'est plus loin. Encore 400 bornes, comme aujourd'hui.
pas sur la neige. Voilà, j'ai trouvé le garage à Eagle Plains qui m'a permis de mettre le sidecar au chaud parce que c'est chauffé pour pouvoir intervenir sur la moto dégelée. Voilà, elle a dégelé. On peut voir, hein, il y a encore de l'eau là. Et surtout, pour pouvoir enlever ça. Alors ça, c'est un sac pour mettre de l'essence souple. J'en avais mis, mais le tube il se range là-dedans. Et le problème hier, quand j'en ai eu besoin, c'était gelé. Donc j'arrivais pas à sortir le bec verseur. Donc j'en profite pour le sortir maintenant et je le mettrai à côté de moi quand je vais reprendre la route. Ça, c'est des petits trucs qu'on pense pas quand il fait moins 25, moins 30. Maintenant, j'y pense. Donc tout était gelé. Je vais regarder mon problème de cosse électrique. Je vais démonter le phare. Je le fais seulement au chaud parce que sous moins 25, moins 30, les gars m'ont dit si tu essayes d'enlever la cosse, elle risque de péter à cause du gel. Donc on va s'en occuper maintenant. On va regarder, on va essayer de nettoyer. Je crois que c'est à cause du sel. Normalement, c'est des cosses hermétiques, mais je sais pas. Là, il y avait un problème. Donc, je vais essayer de résoudre tout ça. Allez. C'est toujours une merde à enlever avec le nez de cochon qui est trop près, on peut pas travailler. Voilà, alors le problème c'est celui-là. Donc ce câble, c'est le câble qui vient de la serrure et il vient se connecter ici. Bon voilà, j'ai fini ma petite révision. Donc j'arrive pas à ouvrir le connectique, je le touche. Alors des fois ça coupe pas. Alors j'ai essayé de bouger tout ça, puis depuis ça coupe plus, donc on verra. J'en ai profité pour refixer ce qui était desserré. Donc pour info, là c'était desserré et là aussi pas mal. Qu'est-ce que j'ai resserré encore? Ah oui, ici ça s'était desserré, là c'est un petit peu. Donc j'ai refait toute la série. Toute la série là, c'est celui-là qui était beaucoup desserré. Voilà, sinon ben ça a l'air de tenir. Donc par grand froid on évite de mettre les cadenas parce que t'es sûr que c'est quand on a besoin qu'il fait moins 35 dans le blizzard et t'arrives pas à bouger les trucs. Donc j'ai essayé de graisser tout ce qui pouvait se graisser et puis voilà, c'est reparti pour 50 000. Non, je suis confiant, ça a l'air d'être bon. On verra, allez, show must go on, ciao.
ce que c'est d'être à 40 km du cercle polaire arctique avec deux chiens loups, être le seul à attendre que cette barrière s'ouvre. Et pour vous montrer dimanche, bon, il fait moins 24, hein. J'ai les doigts un peu gelés là, je vais pas tarder, je vous montre ensemble l'immensité blanc à 40 km du cercle polaire arctique. Donc je suis le seul à attendre. Il n'y a plus de camions. Ils ont rebroussé chemin. Voilà. Tout seul. Avec les deux loulous. Allez. 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 Normalement, demain, c'est la bonne. Thank you.
camion parce que j'ai pas envie de les pourrir. Ouais. Donc je vais pas les humilier, ils ont été cool avec moi, donc je les laisse partir. T'as combien de chevaux sur la moto et il y a combien de chevaux cumulés là-bas? Bah, ils ont 15 fois plus de chevaux que moi. 15 fois 600 chevaux. Ouais, et je vais aussi vite que. Putain, mais bonne chance mon vieux, hein, bonne chance. On va y aller. Elle va l'ouvrir, ça y est, c'est ouvert. Il est où? Il est où? Il est où? Tu regarde mec, il est branché, il est rouge aux dents, rouge les gants, bleu le casque. Ah. Noël. Oh là là, Iron Man. On the road again, je suis l'aigle de la route. Putain, il a pas compris, la route elle était fermée, il sait pas lire l'anglais le pauvre. C'est pas grave, on va le laisser partir. Voilà les guns. Bon, ça fait 170 km que j'allume sur la neige en direction, donc je vais à Fort Mac, je sais plus comment, depuis Eagle Plains. Je me suis éclaté comme un cochon, j'ai doublé 4 ou 5 camions, je me suis pris un vent pas possible. Je sais pas, ça doit être 80, voire 100 km/h, j'en sais rien, mais c'était hyper puissant sur la droite. Ça poussait le sidecar complètement à gauche, et en plus je voyais rien. Donc voilà, il y a une voiture qui arrive là, je l'ai pourri. je l'ai pourri tout à l'heure. Ah, c'est magnifique, j'adore cette route. Ah, ça reste une route légendaire quand même. Voilà les gars, là, ils vont traverser la rivière. Regarde, je te montre. Normalement, il y a un ferry. Et là, l'hiver, eh ben, c'est limité aux 64 tonnes. Voilà les camions que j'ai doublés. Salut les gars! Ouais, c'est génial. Et là. Ah, il y a un truc. Ah, c'est magnifique. Magnifique, j'adore! J'achète, j'adhère! Vive le sport! Voilà mon premier passage de rivière. Oh. Et ouais, je suis en plein milieu d'une rivière. Regarde ça. Bon, je filme avec le téléphone parce que la GoPro, il fait trop froid, elle veut pas marcher. Tu me vois ou pas? Là. J'adore! J'adore! Allez, on va traverser parce que j'ai froid aux doigts. Ciao!
Salut les gars, je viens d'arriver au Fort McPherson, donc 180 km après Eagle Plains, juste quand ils ont ouvert, de nuit, les camions sont partis devant moi. C'était pas mal enneigé, mais assez bien déblayé. Par contre, je me suis pris pendant 30 km des vents, où vous voyez ouais, la fumée passer sur la route, le sidecar se déplaçait sur la gauche, je voyais quasiment plus rien. Et bon, j'ai quand même doublé 5 camions et une bagnole, traversé une rivière gelée, et je viens d'arriver ici. Là, l'arrivée fait moins 21, mais je pense que j'ai dû avoir au moins moins 30 plus haut. Preuve en est, regardez mon casque, il est complètement givré à l'intérieur. J'adore le voyage. Je me suis franchement éclaté, quoi. C'était sport, c'était chouette, j'étais bien. Ça soufflait, le sidecar se déplaçait sur la gauche en avançant, tellement il y avait de vent. Voilà, maintenant bah, j'ai eu du bol parce que le seul hôtel qu'il y a, il est fermé, puis il y avait un numéro de téléphone et le patron est venu m'ouvrir. C'est un motel à côté de la station service et je suis le seul. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de touristes. Allez, moi bon, je vais me reposer un peu, à demain. Bon les amis, une première pour moi. La moto ne veut pas démarrer parce que l'huile est complètement gelée. Je pense qu'il a dû faire moins 25 cette nuit. Et la moto est dehors. Donc j'ai trouvé une palette de bois. Et je vais la casser. Et mettre le feu sous le bloc moteur. Grâce au journal que j'ai trouvé là. Voilà, c'est une première. À la dure, on va essayer. Allez, prions les dieux. Prions les dieux du feu et du froid. Allez mon gars. Allez, c'est bon ça. Les carters commencent à fondre. Regarde. Ah, c'est bon. Alors on va essayer. Non, pas encore. Ça va venir. Bon, j'espère que ça va jouer. Ça fait 10 minutes là, 5-10 minutes. C'est génial. C'est génial. J'ai l'impression d'être en 1840. La préhistoire. The show must go on. Hey, ça c'est beau. Du bois, du feu. On revient à la préhistoire quoi. Hein? L'électronique on oublie. Allez, on repart maintenant. Je vais Inuvik et je continue directement sur Tuk. J'adore la moto.
Voilà, donc après avoir réussi à démarrer mon moteur à moins 25 alors que lui il était gelé, je fais le plein. Donc hier je suis parti avec le plein depuis Eagle Plains. Là je suis à Fort MacPherson. J'ai fait je crois 182 km hier avec le plein et j'ai rempli et 16 litres pour faire 182 km à moins 30 je pense. Voilà pour les spécialistes de la consommation. Bon voilà, à peine parti, j'entends un bring et j'ai perdu ma valise. Alors j'ai mise là-dedans, dans le panier, et j'ai sorti ma réserve de 20 litres que j'ai mis à l'extérieur. Fait un peu froid aux mains. Allez, on continue. Ouais, j'ai hésité à m'arrêter parce que j'ai galère sur galère, il y a tout qui part en couille. Mais tant qu'on peut rouler, ça va, je tiens le coup. J'ai perdu la valise donc à l'arrière, donc j'ai dû m'embêter là avec le froid et mes mains à mettre ma valise dans le panier. J'ai quoi ? J'ai mon truc en caoutchouc là qui commence à sortir. J'ai dû changer un fusible parce que je me suis trompé de fil. Et j'ai fait péter un fusible, donc j'ai changé le fusible. Voilà, donc j'ai mon siège arrière qui tient plus. Voilà les galères, les gars. Et il faut que ça tombe ou il faut pas que ça tombe. Donc, bah, je peux pas trop filmer. J'ai plus de batterie sur la GoPro fixe et la GoPro mobile. Elle s'arrête toutes les 5 secondes parce qu'il fait trop froid. Allez, je vous laisse parce que j'ai les mains gelées. Je continue, je suis à 317 bornes de tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Gym tonic! Voilà, là, je viens de passer une grosse descente, la grosse montée là qu'on voit devant nous. Et je me suis tapé un gros bloc de glace là. Ça a secoué la moto. Et j'ai de nouveau mon problème électrique qui est survenu. Donc, coupure de jus. Comme le premier jour où j'ai attaqué la Dempster, je vais devoir démonter le phare et puis tritouiller derrière. Ah, ça fait chemire. Ça, c'est vraiment pas la journée, hein. Allez, je vais essayer de faire ça, mais ce qui fait chemire, c'est qu'il fait super froid. Ok, allez, on y va. Voilà, je viens d'arriver à Inuvik. Fait frais ici, hein. Regarde mon casque, regarde. Regarde, il est givré. Regarde, il est blanc, tout givré. Sympa comme pays. Voilà les petits loups, donc avec mes déboires ce matin de mécanique,
Départ de Fort MacPherson, direction Yvenick. Et ben, dès que je suis arrivé à Yvenick, j'ai trouvé un garage. Et le garage, le mécanicien s'appelle Fred. Et Fred, tout de suite, quand je lui ai dit que j'étais suisse, il a appelé un ami à lui, Hans. Et Hans est arrivé. Et avec moi, avec Fred et Hans, on a réparé la moto. Et gentiment, Hans, qui est originaire de Zurich, et moi je suis aussi originaire de Zurich, mais de Wald, à côté de Zurich, et ben il m'a invité chez lui, et il va me faire un plat. Hans, what are you cooking now? Tell me. I'm cooking caribou stew. Caribou, c'est caribou. Du caribou. Caribou, there. Un ragoût de caribou. Un ragoût. Ragoût de caribou. Good. Thank you. Very tasty. Thank you. And polenta. And polenta. Polenta. Ticinesi. Ticinesi. Ticinesi polenta. Eh, si. And a salad. Et salad. Salad de maison. Salade maison. Salade maison. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil. There you go. Thank you. Thank you. Danke schön. Danke schön. Auf Wiedersehen. C'est Hans qui m'ouvre la route depuis Inuvik pour aller à Tuktoyaktuk à l'océan Arctique. Ça va être une journée assez difficile puisqu'ils annoncent moins 40, moins 50. Allez, profitons de ce jour magnifique. Voilà, je suis à 100 km de Tuktoyaktuk. C'est magnifique. Bon, là, je prends des risques. Hein. Je m'arrête. Je dois enlever mes gants pour filmer. Je fais pas longtemps parce que sinon, je risque de ne pas reprendre la circulation dans mes doigts. Mais là, je suis obligé. Tellement c'est beau.
Regarde ça. Et encore, la qualité, elle est mauvaise parce que je filme avec l'avant du téléphone. Ah, mince. Ah. Incroyable. Je suis vraiment content. Il fait super beau, mais super froid. Je crois qu'en roulant, je dois arriver à moins 40, moins 50. Allez, je continue avant de mourir gelé. Ciao. Je suis arrivé à Tuktoyaktuk, donc le plus haut du Canada, en tout cas à l'ouest. Ça fait assez western, hein, la ville du bout du monde. Regarde avec le soleil. Ouais. Donc il fait moins 40 là. Je me suis arrêté à la station service. Et puis c'est le boiton là, où j'ai mis une demi-heure à tenter de récupérer mon pied gauche. Ça revient gentiment. Et quand il sera bien chaud, je vais aller au bout du monde. La route du bout du monde, c'est à 2 km à l'océan Arctique. Mais là, il caille. Alors voilà. Ha, je suis content. Regarde. Elle est complètement givrée. Givrée, givrée. Tout est givré. Regarde. Voilà. Tout est givré. C'est magnifique. Avec le soleil. Yes, come in. Hello. Hello. This is the village Tuktoyaktuk. Yes. Can I have a gin tonic, please? Tuktoyaktuk. 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 Thank you.
Les grands. What is it, Hans? These are Yukon-grown beef bratwurst, and we got some cranberry from the tundra, from up here. From the tundra. From the tundra, cranberry. Oh, cranberry. Ça vient de la tundra. And apples. Yeah. Huh? Apples, onions. Yeah. Ah, wonderful. And le flageolet. Le... Ça fait péter. Comment s'appelle ça? Turnip or I don't know, right? What is it? Yeah, taste it. Gouda bacon? Mm, yeah. Yeah? Right? Mm. Cabbage, beans. Beans. Les beans, ça fait péter. Good for you, you tomorrow. Understand? You understand? Ouais, voilà, ça fait péter. chauffer le... Péter, le... Le bambam. Ouais. Péter, c'est la santé. Installé alors la centrale nucléaire, donc c'est du mazout qui chauffe là-dedans, qui envoie l'air dans le tube, et le tube il a recouvert la moto d'une bâche et c'est pour réchauffer le moteur parce qu'il a fait moins 23 cette nuit. Incroyable, incredible. Yeah. C'est chaud, ouais. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, comme c'est beau. Je me brouille parce que la caméra a froid et elle coupe. Regarde. Oh, look. Incroyable, incroyable. Je suis au paradis et à l'enfer en même temps.
Paradis en fer, c'est un joli nom. Panneau congelé comme ça. Vous avez vu ce que je viens de traverser là, la tempête au vent? Et ben ça, je l'ai fait de nuit et c'était aussi fort. Oh que c'est beau, que c'est beau. Et le corbeau là, je sais pas comment il fait pour voler. Hein. Voilà, là-bas c'est le Yukon. Et derrière moi, c'est les territoires du Nord-Ouest du Canada. J'adore. Bon, là, j'ai froid. Allez, on y va.
Bon bah la mauvaise surprise, je voulais faire le plein avec le bidon de 20 litres. Regardez, le bouchon il est parti, il s'est vidé dans le panier pendant le trajet. Ah bah génial. Bon, j'espère pouvoir finir avec les 10 litres là et puis les 4 litres qui me restent ici. On verra. Allez, on prie, hein. On prie. Oh, il y a toujours des petites merdes. Bon, ça c'est pas super grave. Allez. J'espère que c'est la dernière de la journée. Après le coup de l'essence, donc il me reste 225 kg, j'entends un blâme et c'est ma sangle qui a pété. Et elle allait se foutre dans le moyeu. Et en allant se mettre dans le moyeu, ben, elle a pété ma plaque. Donc j'ai rentré la plaque. La plaque, elle en a un seul morceau, mais c'est le support qui a explosé. Donc voilà, allez, j'espère que c'est la dernière pour aujourd'hui. Hein. Franchement bravo mec. Eh moins 53. Ah ouais non mais là. Mon anti-guidonnage, lui il était givré, j'arrivais pas à tourner. Putain. Ben en tout cas elle est propre hein. Elle est propre hein. Oh regarde là. Il est là. Eh j'ai eu des couilles là. Là les derniers kilomètres j'ai eu des couilles. Oh là là l'amour. Mmh. Eh y a une technique pour faire des bisous avec un casque. Avalanche. Avalanche. Oh. Enfin, pas devant moi, hein, mais j'ai dû passer. Les camions ils sont passés. Mais ça fait des trucs comme ça, je suis rentré là-dedans à fond. Ah, les drifts là, les congères là, ouais. Sur la route, ouais. Non, l'avalanche. Ah, une ouais. Avalanche. Putain. Et ils me disent kilomètre 230, mais pour moi, quand elle m'a dit ça à Eagle Creek, j'ai cru qu'elle parlait du 330 où on était. Ouais, ouais. Je dis, ok, puis j'y vais. Quand même, il peut avoir une avalanche. 230, il y a des zones. Fais attention, tout, je regarde, puis en fait, c'est à 230, c'est en bas. Ouais, ouais. Où on arrive dans la plaine là. Ben, good job, good job. Ben, je vous laisse vous retrouver. Il y a eu ça, il y a eu ma plaque qui a été arrachée. Il y a... Mais elle est en bel état, elle est propre. Hey, les 20 litres de ton truc, ils sont vidés dans mon machin. Je vais les prendre, il n'y a plus rien. Le capuchon ? Ben, si, c'était fermé.
Et coucou les copains. Bon bah oui, je suis un peu essoufflée parce que j'ai pelé pour dégager ma moto, mon Yeti. Et là, j'essaye une autre technique que Roby avec son feu de bois. Moi, j'essaye notre gazinière à essence. Donc voilà, donc je vais essayer de réchauffer mon huile. Et puis voir donc si ma belle, elle va vouloir démarrer. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Bisous. Alors, remoi. Donc, oui, donc j'ai laissé la neige sur la bâche. Parce que du coup, elle était bien isolée. Mais bon, le chasse-neige, il avait mis tout partout, partout, partout. Salut. Salut. Mon chouchou, il est de retour de Touk. Ouais, par la sieste. Et voilà, donc j'ai déneigé. Et là, vas-y chouchou, lève. Voilà, donc là, hop. Donc, c'est en train de chauffer. Donc, je vous prendrai tout à l'heure quand j'essaierai de la démarrer. On va la laisser une demi-heure. Voilà. Regardons la chaleur. Et puis, voilà. Et puis comme ça, je la mettrai à côté de son chouchou. Hein, on les mettra ensemble. Voilà. Coucou les copains. Alors, je vous fais un petit reportage à Dawson City. En attendant que Roby est toujours coincé à Eagle Plains. Donc, il est que 13h30. Ça fait une petite heure que le jour s'est levé. Donc voilà, Dawson, c'est que des petites maisons style Far West. Il y a un petit peu de neige. Alors, on va aller se promener au bord de la rivière, vous allez voir. Donc, je suis au bord du Yukon, toujours à Dawson. Bon, comme vous voyez, il y a un petit peu de neige. Super mignon, j'adore, ils ont même ils ont déblayé le banc au cas où on désire s'asseoir pour taper la causette pendant les 2 heures de jour qu'il y a ici. Donc vous voyez, c'est tout style Far West, super mignon. Bon, il n'y a pas beaucoup d'habitants aujourd'hui, il fait grand beau temps enfin parce que ça faisait 4 jours qu'il neigeait. Et donc, peut-être que ce soir, j'aurai l'occasion de voir une aurore boréale. Voilà, bon, je vais vite remettre mes gants parce que mine de rien, un petit moins 22 degrés, il fait pas chaud. Hein? Pas chaud les copains. Mais c'est génial. Hey, coucou les copains, donc je suis toujours à Dawson City en attendant que Roby touche Touk Touk Youk Touk et revienne me rejoindre. Derrière moi, il y a le fleuve Yukon et Dawson City a été construit ici parce qu'un de ses affluents du fleuve Yukon, c'est la rivière Klondike où il y a eu la grosse ruée vers l'or. Et donc en fait, Dawson, c'est une ville champignon. Et ce qu'ils ont fait aussi... pour un peu animer la ville. Parce que bon, aujourd'hui, il y a 1200 habitants. Mais je pense que l'hiver, il y en a beaucoup moins parce que, je vous jure, tout est fermé ici. Donc en fait, il y a le Sauto, qui est très très connu. C'est un bar où en fait, à l'origine, il y a eu deux frères qui faisaient du trafic de rhum. Et donc, ils étaient poursuivis par les policiers et ils sont partis avec leur chien de traîneau hein, et leur rhum. Et un des frères, donc, pour aider ses chiens à aller plus vite, poussait avec son pied dans la rivière. Et arriva ce qui arriva, bien sûr, il a eu une engelure et son frangin a dû lui amputer le doigt de pied qu'il a gardé dans un jerrican de rhum. Et quelques années plus tard, ce jerrican a été retrouvé. Et en fait, donc ici à Dawson, c'est très connu, mais malheureusement, je pourrais pas vous montrer. Donc en fait, le but est de boire un Sauto. Et c'est le doigt de pied momifié, conservé dans du rhum que vous avez dans une boisson. Et puis donc, vous le buvez, il faut le toucher avec ses lèvres. Il faut surtout pas l'avaler, il y en a un jour qu'il a avalé. Et donc, il a eu 2 500 $ d'amende quand même. Voilà, et donc c'est le petit truc de la ville. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce bar a eu jusqu'à 25 donations de petits doigts, enfin de gros orteils. Donc voilà. Voilà, un petit peu une histoire rigolote sur Dawson City. Allez, à toutes!